Texte intégral. Citation. Ce que j'attends de la musique, un degré de profondeur en plus dans cette exploration du froid. Quel amour noir. Fin de la citation par Georges Bataille, son nom de famille. Oui, comme un champ de bataille. Ça donne bien avec sa citation, n'est-ce pas? Comparé au grand mythe du fantastique Frankenstein, Dracula, le fantôme de l'opéra à une destinée plus discrète à l'écran. Le roman de Gaston Leroux possédait pourtant des atouts qui pouvaient laisser espérer une autre fortune. Un personnage à la laideur cadavérique qui hante l'opéra de Paris et vit dans ses sous-sols, compositeur et amoureux d'une jeune cantatrice, Christine, enlevant cette dernière, n'hésitant pas à tuer pour éliminer une chanteuse rivale. Les ingrédients étaient réunis pour que le mélange des thèmes de l'opéra, entre parenthèses passion-folie, et du roman gothique, entre parenthèses entretenant quelques généalogies avec le château des Carpates de Jules Verne et Trilby de Georges Dumouriez, fin de la parenthèse, fut à l'origine d'une importante filiation cinématographique. Or, même si certaines adaptations ne sont pas sans beauté, aucune ne rejoint le cercle des chefs-d'œuvre du genre. Les cinq films étudiés ici de Rupert Julian et Edward Sedgwick, Arthur Lubin, Terence Fisher, Dwight H. Little et Dario Argento sont, en effet, soit des réalisations de cinéastes plutôt mineurs, soit des œuvres qui ne comptent pas parmi les plus remarquables de leurs auteurs. Ils n'en sont pas moins intéressants à étudier sous l'angle de la réadaptation, tous prétendant à leur générique d'être adaptés du roman de Gaston Leroux, alors qu'un examen attentif révèle de nombreuses variations qui doivent parfois autant aux versions cinématographiques antérieures qu'à l'ouvrage d'origine. Note numéro 1. En choisissant de travailler sur les adaptations cinématographiques qui se présentent comme directement dérivées de l'œuvre de Leroux, nous laissons de côté les films qui opèrent une transposition de l'œuvre. Phantom of the Paradise de Brian De Palma, Darkman de Sam Raimi et celui de Joel Shoemaker qui, à un second degré, est l'adaptation cinématographique de la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber. De ce point de vue, les tableaux comparatifs publiés en annexe suffiraient à prouver le commerce généralisé entre les œuvres. 3. Il est alors facile de contester que l'un est en présence de réadaptation stricto sensu, c'est-à-dire de multiples adaptations du texte d'origine au vu d'une sédimentation progressive des éléments rapportés. On peut montrer ce qui unit ces œuvres derrière le trafic des variantes qu'elles instaurent. Une représentation de la part obscure du désir, la répression de la pulsion sexuelle, fait en effet apparaître le nécrophile. Entre parenthèses, Julian comme le Roux, ou le démoniaque, entre parenthèses, Little. La négation de cette pulsion laisse perdurer l'infantile, entre parenthèses, Lubin, ou affleurer la frustration jusqu'au sacrifice de soi, entre parenthèses, Fisher, tandis que son assouvissement fait surgir l'hystérie sous l'apparente volupté d'un rapport qui défie l'ordre naturel, entre parenthèses, Argento. Le fantôme et le refoulé. 4.
Le roman de Gaston Leroux introduit un double rapport du fantôme à Christine. D'un côté, le désir, entre parenthèses, assorti d'une tentation incestueuse, fin de la parenthèse. 2. Celle-ci, qui existait dans le texte de Leroux, a disparu des adaptations de Julianne Fischer, tandis qu'elle a été supprimée au montage dans celle de Lubin. Elle demeure furtivement dans le film de Little avec la scène sur la tombe du père, qui ne se justifie pas vraiment dans la perspective du film. Henry Costa initia un projet de fantôme de l'opéra en 1941 avec Charles Laughton et Dima Durbin, couple qu'il avait déjà réuni dans It Started with Eve, dans lequel le fantôme aurait été le père de Christine. Et de l'autre, un rôle de Pygmalion. Ainsi, le fantôme prolonge-t-il l'éducation de la jeune fille après la disparition de son père, dont il sera un substitut clairement désigné. Christine croit que le fantôme est un, entre guillemets, ange de la musique, fin de la parenthèse, envoyé par son père défunt. Elle a perdu sa voix à la mort de celui-ci et la retrouve grâce au fantôme. L'ange qui joue du violon apparaît sur la tombe du père, dont le retour est métaphorisé par allusion à la résurrection de Lazare, etc. Soit dit en passant, les notes, je vais lire celles qui sont intéressantes, qui se trouvent à la fin de cet article. 5. Deux films choisissent de ne s'engager que sur l'une des deux voies. Le fantôme de Julianne est attiré par la chanteuse. Il ne donne en revanche aucune leçon de chant, bien qu'il soit musicien-compositeur. Lorsqu'il enlève Christine, il ne la fait pas chanter et se contente de jouer de l'orgue. L'option retenue par Fischer est inverse. Le fantôme finit par faire travailler Christine, sans penchant amoureux, et la jeune fille paraît réprimer tout désir. Entre parenthèses, mise à distance et confinement de l'érotisme dans un appareil optique faisant partie du mobilier de sa chambre, montrant l'image d'une femme qui se change derrière un paravent. Fin de la parenthèse. Le scénario a d'ailleurs transformé le fantôme en professeur Petri, ancien enseignant au conservatoire. Il y a déplacement du sujet désirant et prédateur sur le personnage de Darcy, alors que le jeune prétendant, plein de prévenance, ne suscite pas plus de passion de la part de Christine. Il attire de mauvais pas, entre parenthèses, empressement de Darcy, et mène l'enquête. Mais pour dévoué qu'il soit, il n'est pas l'objet d'un sentiment passionné, et il est peut-être tout aussi important. N'est-il pas baptisé Hunter? Du même coup, les agissements du fantôme visent plutôt à perturber l'exécution musicale. Page manquante sur le conducteur du chef, timbale éventrée, affiche la série parce qu'il a été dépossédé de son œuvre. On remarque dans deux scènes emblématiques la différence des préoccupations du fantôme. Chez Julien, son propre désir amoureux vécu contre la statue du toit de l'opéra, et chez Fischer, son œuvre, dont l'interprétation par Christine lui tire une larme quand il l'écoute depuis une loge. 6. Lubin et Little mêlent au contraire l'attirance du fantôme pour Christine à son éducation musicale. Éric Claudin, entre parenthèses Lubin, même avant de devenir fantôme, lui perd en secret des leçons de chant et la fait encore chanter dans son repère, mais il cache timidement ses sentiments. Tout juste se laisse-t-il emporter en appelant Christine par son prénom avant d'être confus de cette familiarité.
Le jeu de séduction se déplace du fantôme vers une ronde à deux prétendants, Raoul Daubert, de la Sûreté entre parenthèses, et Anatole Garon, le baryton entre parenthèses. Le film prenant des allures de vaudeville du fait de cette concurrence amoureuse. Quant à Claudin, il faut attendre la descente vers sa demeure souterraine pour qu'il avoue sa flamme à Christine. Si elle est peu troublée par la déclaration du fantôme, dont le sort ne suscite qu'une rapide pitié, elle ne peut pas non plus choisir entre ces deux prétendants, préférant dans la scène finale aller à la rencontre de ses admirateurs et laisser les rivaux dîner entre hommes. Comme l'aurait dit Christine rêve d'un bonheur hygiénique, entre guillemets. Il y a un petit 3, un petit renvoi, numéro 3. Au fantôme, trop secrètement amoureux de Lubin, Little oppose un personnage prédateur. Entre parenthèses, il s'agit de la seule adaptation dans laquelle le prétendant de Christine est tué. Fin de parenthèse. Eric Dessler fait travailler Christine dans sa loge en restant cachée, puis ambitionne de prolonger sa leçon de chant en enlevant. Son désir exacerbé est mis sur le pied d'égalité avec la musique. Et jouit dans sa loge une scène en écoutant Christine chanter et trouve un substitut au rapport sexuel qu'il voudrait entretenir avec cette dernière auprès de prostituées, qu'il rebaptise de son prénom. Dans une confusion volontaire, lors de la première descente de Christine dans son repère, il lui passe un anneau au doigt pour la marier à la musique, mais, lors de la seconde descente, lui reproche son inconstance du fait de ses rapports avec son prétendant et impose qu'elle soit sienne. Le dernier morceau joué à l'orgue sera une musique nuptiale ou une musique de mort. Le fantôme même rend son dernier soupir quand la partition est déchirée par Christine, puis jetée par morceaux dans une grille d'égout, et tout se passe comme, entre guillemets, quand on est seul, soudain, en face de sa perte soudaine, lorsqu'on assiste à l'irrémédiable destruction de son œuvre et de soi-même. Il y a un renvoi numéro 4. Toutefois, comme l'a dit Dessler, l'amour et la musique ont en commun de ne jamais mourir, et la scène finale postule un éternel retour du fantôme. 7. En dépit de leurs différences, ces adaptations s'intéressent essentiellement à la préservation de la chasteté de la femme qui refoule ses pulsions plus ou moins terrifiantes, symbolisées par la monstruosité de l'homme. Toutes ces femmes sont désexualisées, débutantes, doublure ou passant d'une audition ingénue. Elles ont la phobie du sexe et en portent la marque sur elles. Il y a comme une désérotisation sous les divers portraits de Christine. Marie Philbin, en jeune parc, prise dans la gestuelle du muet. Julianne en parenthèse. Suzanne Foster, en poupée apprêtée, correspondant bien aux manières gommeuses des soupirants, entre parenthèses, Lubin. Heather Sears, vivant sagement dans une chambre de célibataire, entre parenthèses, Fisher. Jill Scullin, en naïve étudiante, aidée par son amie, Little, entre parenthèses. À vrai dire, si elles ont choisi le chant, c'est pour ne rien tolérer d'autre dans leur vie. Ici, le fantôme lance à Christine. Entre guillemets. Oublie toutes les choses du monde et pense seulement à ta carrière et à ton maître. Fin de la citation. Julianne, entre parenthèses. Là, le chef d'orchestre lui rappelle que l'on doit faire le sacrifice de sa vie privée.
entre parenthèses, Lubin. Ailleurs, le fantôme la violente pour l'assigner au travail de la voix, entre parenthèses, Fisher. À l'occasion, il lui est même interdit de se marier, soit par son père, Leroux, entre parenthèses, soit par le fantôme, Little, entre parenthèses, ou seulement de revoir Raoul sous peine de mort, Julien, entre parenthèses. 8. Dans les libertés que s'accorde Argento, le fantôme, qui n'est pas compositeur mais joue de l'orgue, ne fait pas l'éducation musicale de Christine, mais lui demande seulement de chanter pour lui. Tout tente à l'épanouissement de la sexualité de la jeune fille consentante et qui, à la différence de toutes les autres incarnations du personnage, descend seule dans les sous-toits, dans les sous-sols, descend seule dans les sous-sols en réponse à l'appel du fantôme. Ce trajet se rapproche plus de la course de Lucie vers le monstre dans l'adaptation de Dracula par Francis Ford Coppola. Effet d'étoffe causé par un courant d'air souterrain ou un tunnel ou un vent surnaturel parcourt labyrinthique dans les grottes ou les arbustes taillés, aspect organique des sous-sols ou représentation volontiers lubrique des statues du cimetière, le tout pour arriver à une possession bestiale par un homme rat ou un vampire transformé en loup-garou. Le film d'Argento est alors la seule adaptation qui conduit à l'accouplement de Christine avec le fantôme, opposant une vierge folle, hystérie finale à la mort de son initiateur, aux vierges dont le surcroît de sagesse peut faire surgir dans toutes les autres réalisations un refoulé plus monstrueux. 9. Le désir fait ici, de façon plus évidente, surgir une pulsion anale très nette. Le premier nu s'ouvre par un plan sur les fesses de Christine allongée, tandis que la scène d'accouplement, par les positions des sujets, suggère pour le moins la bestialité, peut-être la sodomie. Le motif de l'orifice est d'ailleurs prégnant dans le film. Pénétration des égoutiers dans un puits, où l'on se voit dévoré. Entre parenthèses, source, sorte de vagina dentata. Sous-sol de l'opéra, figuré par des boyaux et non des caves architecturées comme dans les versions précédentes. Cavité buccale mise en évidence, que ce soit avec la large ouverture de la bouche de Christine quand elle chante. Il y a le renvoi numéro 6. Note numéro 6. Dans le syndrome de Stendhal, déjà l'orifice de la bouche était privilégié. Bouche ouverte de l'actrice dans la douleur du viol, bouche monstrueusement grande dans les peintures d'Anna, ou l'insert de la gorge enflammée de sa rivale. Citation. On y voit un très gros plan, le fond de la bouche de la cantatrice Carlotta, avec cette glotte qui évoque un clitoris géant. Une gorge profonde, Deep Throat de Damiano. Fin de parenthèse, furtive greffe d'un plan issu du cinéma porno. Le renvoi numéro 7. Ce faisant, la pulsion incestueuse fait retour en se déplaçant vers le rapport du réalisateur à l'actrice, comme puisque Dario, le père, filme sa fille Asia. C'est leur troisième collaboration. Note numéro 8. Sans jouer dans le film, Asia a écrit le texte de la ritournelle enfantine qui sert de trame au meurtre de Nonho Sono 2001. Elle est également l'interprète de la Terza Madre 2007. Après Trauma et le syndrome de Stendhal. Citation. J'ai filmé Asia pendant qu'elle grandissait. Chaque film est une étape encore plus troublante. Tourner les scènes de sexe était très embarrassant pour moi et pour elle.
Mais c'est intéressant. J'ai fait une sorte de journal intime sur elle. Fin de la citation, renvoi numéro 9. Curieux journal, à vrai dire, qui va au-delà du trouble et de l'embarras. Dans Trauma, la fille du réalisateur est anorexique. Dans le syndrome de Stendhal, le père postule de la vénusté de sa fille, scène devant la naissance de Vénus de Botticelli, la soumet deux fois à un viol, fait une double allusion au sperme, entre parenthèses, écume sur la main de Botticelli et suintement les murs de la pièce de la seconde agression, fin de la parenthèse, fait trancher sa lèvre au rasoir pour que la bouche saigne pendant le viol, etc. Le lien entre le syndrome de Stentor et le fantôme de l'opéra est d'ailleurs scellé lorsque le fantôme remet à Christine une bague à l'effigie de la tête de Méduse. La tête de Méduse du Caravage étant l'un des tableaux de la Galerie des Offices dont l'effet sur Anna slash Asia en proie à une hyper-réceptivité des œuvres d'art s'inscrivait dans le processus qui allait conduire à son évanouissement dans le musée. Dans le fantôme de l'opéra, la caméra de Dario Argento tient de cet entre guillemets œil pinéal chair à bataille, caressant les fesses de sa fille par un doux travelling en prélude à la consommation monstrueuse, le père a pour elle, par objectivité, interposé les yeux du narrateur devant Simone dans l'histoire de l'œil. Citation. « Il me semblait même que mes yeux me sortaient de la tête comme s'ils étaient érectibles à force d'horreur. » Fin de la citation et le renvoi numéro 11. Réutilisant le cadre de l'opéra, la transformation de Christine et l'assouvissement de son désir sont consignés sur scène. La jeune doublure débute seule dans une salle vide où elle chante pour un public imaginaire en robe blanche, signe d'ingénuité. Entre parenthèses, rappelant de nombreuses jeunes filles d'autres films du réalisateur. Fin de la parenthèse. Plus tard, c'est encore sur scène, mais en cours de représentation et devant le public, que le chasseur de rats, témoin et voyeur, dévoile les pulsions auxquelles a cédé la chanteuse. Du désir, Christine fait en sorte d'apparaître le fantôme dans sa déserte pour elle seule. On passe au dévoilement impudique que rapporte un personnage maculé de sang paraissant sur le plateau. Note numéro 12. Le théâtre est un lieu privilégié chez Argento qui permet de montrer expressément ce qui se joue autant que l'envers du décor, lieu du congrès de parapsychologie dans Profondo Rosso, salle de faux meurtres de Catmoschi di Velluto Grigio, salle turinoise où se donne le lac des cygnes dans Non Ho Sono et l'ensemble du fantôme de l'opéra. Il ne s'agit pas de la première adaptation du fantôme dans laquelle l'énoncé du saint est explicite. Note numéro 13. Dans la version de Little, la partition retrouvée faisait couler les notes en sang sur la portée, cependant que Christine, dans un plan hallucinatoire, était terrorisée devant ses mains maculées de sang, ce qui annonçait une phobie. C'est la seule qui en fait surgir une violente monstration liée à la perte de la virginité de Christine. Le fantôme dans ses œuvres. 10. Le sens de chacune des adaptations du fantôme de l'opéra s'enrichit d'une signification donnée au répertoire musical, qu'il s'agisse de l'œuvre que le fantôme est censé avoir composée
ou des opéras qui sont représentés. Le roman de Leroux oscille essentiellement entre l'opéra imaginaire Don Juan triomphant, écrit par le fantôme, et Faust de Charles Gounod. Don Juan et Faust constituent deux figures d'un désir accompagné de pulsions de mort, comme nous l'a enseigné la psychanalyse. Plus encore, ce rapprochement des mythes postule du caractère démoniaque de Don Juan, plutôt en prolongation de la conception hoffmannienne dans laquelle le démon le pousse à posséder la femme. Il n'est pas étonnant que ce double sceau soit apparu dans le roman peu d'années après la fin du 19e siècle, qui, à partir d'Hoffmann, a vu la faustisation, entre guillemets, parenthèse selon le mot de Jean et Brigitte Massin, fin de la parenthèse, du mythe de Don Juan en recherche d'un idéal amoureux. Mais le Don Juan du fantôme est en outre triomphant. Si l'on peut prendre ce titre comme annonce de revanche d'un personnage caractérisé par sa laideur, on peut aussi le voir en prolongation de la conception de Kierkegaard, qui le décrivait comme absolument victorieux, entre guillemets, et triomphant. Renvoi numéro 14. S'y mêle une idéalisation de la femme au travers de la musique et un pouvoir décuplé de celle-ci, qui serait, dans la conception de Kierkegaard, le seul vecteur possible d'expression de Don Juan. 11. Seules les adaptations de Julian et Little souscrivent à ce dualisme Don Juan slash Faust. Leurs fantômes poursuivent une quête dans laquelle, maudits et transgresseurs, ils rejoignent une vision romantique de Faust. Le film de Julian est moins riche de ce point de vue que le roman. Certes, on chante Faust sur scène et le fantôme dans sa cave joue alors Don Juan triomphant, dont la partition est montrée. Mais l'explication s'en tient sommairement au penchant du fantôme pour Christine. Citation. Depuis que j'ai vu pour la première fois ton visage, cette musique s'est mise à chanter pour toi et pour l'amour triomphant. Fin de la citation, renvoi numéro 15. Since first I saw your face, this music has been singing to me of you and of love triumphant. Leroux, au contraire, nuançant et disant beaucoup plus au travers des allusions musicales. Ainsi, quand Christine est dans son repère, le fantôme ne joue pas son opéra, mais chante. En enjoignant Christine de se joindre à lui, le duo d'Othello et Desdemone, ce qui donne un éclairage plus singulier. Au contraire, Little surenchérit dans la symbolique faustienne. Le film s'ouvre sur une citation de Jean Vitius de Rouen, datée du jour de son exécution, le 7 mars 1544, et je cite « Priez pour ceux qui ont donné leur âme immortelle à Satan, car ils sont condamnés à revivre une misérable existence pour l'éternité. » Fin de la citation. Totale invention scénaristique, le pianiste et compositeur Eric Dassler passe un pacte avec le diable dans le but d'être aimé pour sa musique, qu'il paie d'une laideur physique. Plus encore, au cours de la représentation de Faust, le fantôme paraît dans sa loge en même temps que Mephistopheles sur scène, tandis que les images du pacte entre Dassler et le diable en flashback se mêle au pacte faustien de la représentation. Le film y ajoute une victoire sur le temps, puisque le fantôme s'en est affranchi, réapparaissant dans le présent. D'abord sous les traits du producteur du spectacle pour lequel Christine auditionnait à New York, puis d'une façon implicite lorsque le violoniste de rue, auquel Christine donne une pièce, se met à jouer l'heure de Don Juan triomphant. Triompher du temps qui passe, tel Faust, est une obsession marquée par l'apparition furtive à l'écran
de deux autres partitions du fantôme dont les titres sont les indicateurs limpides, The Immortal Vision et The Illusion of Time. 12. Les deux adaptations dans lesquelles Christine est en déni de sa sexualité excluent au contraire Don Juan triomphant et Faust. Dans la version de Fischer, le fantôme est un compositeur de Saint-Jeanne, opéra sur Jeanne d'Arc, permettant de signifier la virginité, la pucelle de la jeune chanteuse, pour qui seule l'éducation musicale importe et dont le désir demeure refoulé. La défense de l'œuvre est plus importante que le sort de Christine. Entre parenthèses, c'est la seule adaptation dans laquelle le fantôme est réellement victime d'une appropriation frauduleuse de sa création. Fin de la parenthèse. De fait, cette version se déplace vers les coulisses et le plateau. Audition, répétition, fosse d'orchestre, chef et musicien. Les scènes d'opéra y sont assez nombreuses et les extraits de représentation de Sainte Jeanne consistants. L'épilogue même a lieu sur scène. Le lustre qui chute est un accessoire de scène et non le lustre de la salle, comme il est de tradition. Comme de ce déplacement théâtral, c'est un metteur en scène qui mène l'enquête. On peut alors établir des correspondances entre Jeanne d'Arc et la jeune interprète. Toutes deux entendent des voix. Le fantôme dans la loge de Christine sont violentés. Le fantôme réveille Christine qui s'est affalée et épuisée en lui jetant de l'eau sale au visage pour la forcer à travailler et la gifle pour qu'elle reprenne. Comportement qui sied plutôt à une scène d'interrogatoire. Et sacrifiée, Jeanne va au boucher, rougeoiement des flammes sur scène à la montée de l'escalier, en rendant justice au professeur Petri qui doit son état à l'incendie chez l'éditeur de sa partition. Note numéro 16. Cette adaptation britannique transportant l'action à l'Opéra de Londres procède dans une certaine mesure à la réappropriation de quelques motifs de l'œuvre anglaise Trilby dont s'était inspiré un français Leroux. De façon assez comique, l'histoire de Jeanne d'Arc permet de mettre en scène l'antagonisme franco-anglais, s'autorisant même une scène burlesque dans laquelle un Français s'oppose au entre guillemets cochon anglais. Dans le film de Lubin, un des opéras représentés sur scène, Martha de Frédéric von Flotow est une œuvre peu connue qui propose un livret dans lequel une femme noble lassée des conventions de son milieu, Lady Harriet, se déguise en paysanne et participe à une sorte d'encan matrimonial chez les fermiers. Devenue Martha, Lady Harriet ne jouera pas le jeu, mais sera pardonnée in fine. Cet extravagant livret, renvoi numéro 17, ne mérite d'être mentionné que pour mettre en parallèle l'œuvre choisie de la et le marivaudage qui s'instaure dans cette version du fantôme de l'opéra avec les rôles des deux prétendants et pour remarquer le lien entre l'inspiration du fantôme, son concerto dérive d'une berceuse provençale et la tragicomédie pastorale du compositeur allemand. Quant aux autres opéras dont les extraits sont montrés, ils n'existent pas et procèdent d'adaptations de pièces du répertoire classique instrumental. Amour et gloire est un arrangement sur du Chopin et le prince masqué de Kokassi est réalisé à partir de Tchaïkovski. La spéculation sur les motifs opératiques est donc moins riche que dans d'autres versions. Mais si le concerto pour piano écrit par le fantôme, musicien évincé de l'orchestre, propose des variations à partir d'une berceuse provençale, c'est que Christine est originaire de Provence, de sorte que Claudin a fait d'elle sa dédicataire. Christine, d'ailleurs,
chantonne cet air avec Garon, et c'est en entendant le fantôme jouer son concerto qu'elle commence à soupçonner avant le démasquage son identité. Surtout, la berceuse, allusion à l'enfance, fixe Christine en jeune fille un peu immature, indifférente au ballet de ses prétendants. Note numéro 18. La berceuse réintroduisait également le père qui chantait cet air. D'autres traces des allusions à un rapport incestueux demeurent malgré la suppression de cette dimension. Claudin, violoniste dans l'orchestre de l'opéra, est ainsi une transposition du père de Christine qui, dans le roman, était déjà violoniste. Avec Arganto, enfin, Christine est dans la dépense immédiate. « Je vous ai donné mon âme et j'ai cru mourir, » dit-elle au fantôme. Soit une sorte d'inversion de ce que, dans la morte amoureuse, Romuald disait à propos de Clarimonde, « J'aurais voulu pouvoir ramasser ma vie en un monceau pour la lui donner. » Il y a un renvoi à 19. Par substitution à l'horreur, Julien entre parenthèses, à l'indifférence affective de Christine Lubin entre parenthèses, ou de celle-ci et du fantôme Fischer entre parenthèses, et à la fuite éperdue de la jeune fille Little entre parenthèses, le film vise à satisfaire un désir irrépressible. L'air des clochettes de l'Acmé, performance virtuose par laquelle Christine appelle à sa manière le fantôme, annonce la relation sexuellement performative tellement désirée, les vocalise d'une colorature se donnant en chant d'amour. C'est alors dans Roméo et Juliette que Christine doit avoir le rôle principal, et c'est pendant la représentation de l'opéra que de Gounod, que le lus chute sur les spectateurs malicieusement. Arganto réserve aux scènes plus humoristiques la dispersion amoureuse du donjuanisme en l'infantilisant au travers du personnage lubrique qui court après les petits rats et leur donne des bonbons. De même que pour parfaire ce congédiement du donjuanisme, si collection il doit y avoir, ce n'est pas celle que consigne le catalogue des conquêtes du libertin, mais celle que conserve en bocaux le chasseur de rats qui a réuni 4837 queues de rongeurs. La face cachée du fantôme. Point 14. Le masque, décor suborneur selon Baudelaire, en référence 20, permet des variations au moins à trois niveaux. Il en va d'abord de l'apparence qu'il donne, largement révisée depuis le masque noir qui fait penser au Maure en chantant Othello chez le roux. Deux fantômes portent des masques de théâtre. Le visage de Lon Chaney, Julian, entre parenthèses, est caché par un masque blanc sur sa moitié supérieure que prolonge une petite étoffe sur la bouche. Le masque de Claude Bains, Lubin, entre parenthèses, volé dans le théâtre, est bleuté. Accessoire de scène, il permet aux fantômes de se mêler aux figurants en cours de représentation. Surtout, la nature théâtrale de ce masque classique coïncide avec la théâtralisation généralisée, y compris des rapports de séduction. C'est d'ailleurs sur un plan du masque et du violon, avec son archet à terre au milieu des gravats, que prend fin l'épisode des caves. Comme si cette composition offrait une simple allégorie de la musique et de la comédie. Le masque de Herbert Lhomme, Fischer en parenthèse, est d'un gris bleuté, sans bouche et avec un œil gauche obturé. Le plus fermé des masques devient l'ultime gardien de l'isolement d'un fantôme qui finit par être officiellement accepté quand la vérité a éclaté, puisqu'il assiste à la représentation de son œuvre
sans se cacher. En même temps, l'œil unique prend une place plus importante, partant de la menace initiale pour laisser échapper une larme. Dans la version de Little, le masque est d'une autre nature. Il s'agit de lambeaux de chair cousue avec une chirurgie approximative par le personnage lui-même. Entre parenthèses, fantôme écorché victime. L'adaptation est contaminée par des éléments halogènes, effet gore, scène de reconstruction du visage et de retrait des chairs. Fantôme soupçonné d'être Jack le Ripper. Entre parenthèses, il est dit à New York, avant de remonter le temps, qu'Eric Dessler serait l'assassin qui terrorisa Londres. Note numéro 21. Dans le département des manuscrits de la bibliothèque où son ami a retrouvé la partition, Christine souligne la douceur d'un air qui contraste avec la réputation de tueur du compositeur. Son tour à tour victime d'éventration, le machiniste et les agresseurs de Dessler, le prétendant de Christine, entre parenthèses, fin de l'épisode londonien, puis le fantôme lui-même, entre parenthèses, fin de l'épisode new-yorkais. Et emprunte des traits à Mr. Hyde dans ses rapports avec les prostituées, les scènes dans l'auberge où il se réfugie. Surtout, le masque a ceci de particulier qu'il fait nettement apparaître l'acteur. Tout se passe comme dans House of Wax, selon la remarque de Pierre Alféry. Le masque est moins un relief découpé que l'idée précise d'un visage. Le masque de notre homme, Vincent Prince, est en réalité son visage qui recouvre une vision atroce comme dans le fameux film de Franz Due. Annotation 22. Entre parenthèses, les yeux sans visage. Ici, c'est le visage déformé mais reconnaissable de Robert Englund qui tient lieu de masque. Cette caractéristique est nécessaire du fait de la singularité diégétique du film, puisque, à la fin du flashback londonien, Christine, ranimée, est prise en charge par le producteur du spectacle new-yorkais pour lequel elle était venue auditionner, jouée également par Englund. Il s'agit d'identifier immédiatement celui-ci pour suggérer que l'épisode ancien a été rêvé pendant l'évanouissement en empruntant au personnage réel ou qu'on assiste au retour du fantôme. Mais avec Robert Englund se profile sous le fantôme, l'autre chose monstrueuse qui rendit l'acteur célèbre Freddy Krueger, revenant de Nightmare on Elm Street et des suites données au film des Wes Craven. Annotation 23. Une version d'exploitation du fantôme de l'opéra en cassette porte d'ailleurs sur sa jaquette cette mention. Robert Freddy Englund frappe encore plus fort. Jusque dans le lien évident entre le visage écorché de Dessler et celui brûlé de Freddy, dévoilant nerfs et tendons. Note numéro 24. Il faudrait s'intéresser aux acteurs sous les masques, à ce qu'ils ont de connoté. Lon Chaney, avant le fantôme, est naturellement l'acteur de The Miracle Man, George Lone Tucker, The Penalty et The Hunchback of Notre Dame, Wallace Worsley. Symboliquement, le fantôme de Julien poursuivi passe devant Notre-Dame de Paris. Claude Rains demeure l'inquiétant homme invisible de The Invisible Man, James Whale. Herbert Lom a excellé pour sa part dans des rôles patibulaires. Si Little renverse déjà la tradition avec un masque qui restitue le visage de l'acteur, Argento va plus loin en imaginant un fantôme qui ne porte pas le masque. Citation : Je ne suis pas un fantôme, je suis un rat, dit le personnage qui, nouveau-né, fut déposé dans un panier sur les eaux de l'égout et recueilli par les rats. Anatomie avec Batman Returns de Tim Burton. Fin de la parenthèse. Cette animalité que le réalisateur
que le réalisateur associe à la sexualité constitue une altérité fondamentale qui rend le masque inutile. Par voie de conséquence, les seuls masques aperçus sont consciemment posés dans le magasin des costumes et accessoires. Sous le masque, ensuite, il y a bien sûr le visage fantomatique. Dans l'adaptation de Julienne, la plus proche du roman, Don Chaney montre une face qui dessine grossièrement un crâne, large cerne pour figurer des orbites et nez retroussés, entre parenthèses, cependant que l'on est frappé par la hauteur du front, qui anticipe sur celle de la créature de Frankenstein en 1932. Figurer les os, c'est revenir à la structure fondamentale du corps pour la lier à l'origine congénitale de la laideur du personnage à laquelle souscrit seul le film de Julienne et pousser la représentation du désir jusque dans les fantasmes nécrophiles. Le visage du fantôme de Little écorché se rapproche de la morphologie du crâne sans y venir totalement. Il conserve pourtant cette caractéristique essentielle de l'absence du nez. Bien montré, lorsque Dessler, après avoir ôté ses chairs à piécer comme s'il enlevait des points, dégage une prothèse nasale et laisse apparaître un orifice béant. Mais c'est la chair à vif et les lambeaux nécrosés qui importent, figurant, au-delà des stigmates issus du pacte diabolique, le cycle sans fin de la régénérescence du fantôme. Chez Lubin Fischer, la laideur du personnage est accidentelle. Les deux films reposent sur l'idée d'une apparition des œuvres composées par le fantôme, variante qui n'existe pas dans le roman. Il y a méprise sur les intentions de l'éditeur chez Lubin et dépossession réelle chez Fischer. Et le devenir du fantôme est lié aux événements chez l'éditeur de musique. Dans le premier des deux films, Claudin est défiguré par la projection d'un banc d'acide d'une collaboratrice qui veut se défendre et, dans le second, le professeur pétri par brûlure à l'acide au cours d'un incendie accidentel. Dans les deux cas, l'horreur du visage perd de son importance. La brûlure de Claude Reims n'est pas aussi effrayante que l'on aurait pu s'y attendre, ce qui coïncide avec la légèreté du propos du film et celle sur le visage de Herbert Lorne est à peine visible au moment où il saute sur scène pour sauver Christine de la chute du lustre. C'est donc dans les deux adaptations qui gomment toute concupiscence prédatrice que les marques sur le visage ne sont pas monstrueuses. En l'absence de masque, chez Argento, le visage de Juan Sanz prolonge à lui seul l'animalité du fantôme. L'aspiration du sujet filmé, Christine/Asia, cadrant avec une représentation du personnage plus à l'image d'un vampire. Très allongé, captation télépathique. Figure d'ailleurs interprétée par l'acteur dans un autre film, Tale of the Vampire, de Shimako Sato. Note numéro 25. Selon le projet Universal en 1935 avec Martha Eggert et César Romeo, le fantôme aurait été un maître de musique blessé à la guerre. Vient enfin le moment du démasquage, transgression attendue, tant la dissimulation du visage excite la curiosité. Julien fait démasquer son fantôme par derrière, réservant la primeur de la surprise au spectateur avant que Christine ne découvre l'horrible visage. On note le léger sourire et la lueur dans l'œil de Christine quand ses mains remontent sur le dos du fantôme, signe d'excitation en amorçant le geste transgressif. Il s'agit bien de la résultante d'un désir enfoui dont Christine doit s'imprégner. « Régale tes yeux, rassasie ton âme de ma maudite laideur. » Citation 26. « Feast your eyes, glut your soul on my accursed ugliness. » Lui dit le fantôme cependant que l'horreur de la révélation est le doigt tendu vers elle. Geste d'imputation de la faute d'avoir bravé l'interdit font coucher à terre la jeune fille de terreur. Note numéro 27. Pour une analyse de cette scène, V.G. Menegaldo
deux figures masquées dans le film d'horreur Le fantôme de l'opéra et l'homme au masque de cire, Cimé Action, masque de lumière, 2006, numéro 118, page 113. Joseph Pevney, en 1957, confiant à James Cagney le soin d'incarner Lon Chaney dans le film biographique Man of Thousand Faces, reconstitue la scène du démasquage du film de Julian. Dans la version de Lubin, Christine démasque le fantôme pendant que celui-ci joue du piano et alors qu'il l'a invité à chanter la mélodie de la berceuse. Elle se présente de côté, sur sa gauche, et n'arrache le masque qu'après un premier geste d'hésitation. Mais le visage brûlé n'est pas très impressionnant. Le démasquage est d'importance plus relative que dans les autres versions. En revanche, on note le rapport étroit du geste d'Anatole Garon sur scène qui projette à terre sa partenaire, Madame Lorenzi, et celui du fantôme de Julianne qui, en désignant Christine du doigt, la fait mettre au sol. Ainsi, d'un côté, le film de Lubin qui flirte avec la comédie transpose-t-il ce moment inquiétant dans l'opéra pour en déjouer la brutalité. De l'autre, le baryton amoureux, prince masqué, qui vient de se démasquer, se voit-il imputer une violence qui aurait pu être celle du fantôme, alors même que les deux personnages ont dit la même phrase à Christine. Le premier en voix cachée dans sa loge et le second en coulisses. Et je cite, « Tu vas devenir une grande et célèbre chanteuse, je t'aiderai. » Note numéro 28. « You're going to be a great and famous singer. I'll help you. » Chez Fischer, hors de tout désir, Christine ne démasque pas le fantôme. Dans le film où le vol de l'œuvre est central, c'est à Darcy d'ôter le masque et d'être confronté aux conséquences de ses actes. Si chez Fischer, quand aucun désir ne circule, ôter le masque importe peu, chez Argento, le masque lui-même est inutile lorsque les pulsions s'exacerbent, montrant la jeune fille qui sublime son instinct sexuel au plus profond des entrailles de la terre. La scène en sous-sol tend à dévoiler ce qui se cache en Christine / Asia. À la tombée du masque du fantôme se substitue la mise à nu du corps de l'actrice, jouant sur le fait que cette mise à nu est une constance de la peinture. Le réalisateur prend le corps de sa fille dans une entreprise picturale, la portraiturant par ailleurs de manière classique. Entre parenthèses, Asia à la chandelle devant le miroir et soignant la représentation du nu, corps allongé sur le lit défait à côté d'une coupe de fruits. Note numéro 29. Le donné pictural du film, outre de nombreux autres plans significatifs, est également symbolisé par la présence de Degas peignant les petits rats. 17. Rejoignant la cohorte des personnages du genre fantastique en proie à, entre guillemets, une peur en quête de raison d'avoir peur, la référence 30, le fantôme de l'opéra prend ainsi la peur comme versant inquiétant de l'expérience sexuelle. Apparaît alors une unicité de problématiques sous autant de déclinaisons des fantasmes de sollicitation ou d'agression sexuelle, frayeur, répulsion, processus morbide, posture d'isolement ou d'offrande. Le fantôme, dans chaque représentation, répéterait à sa manière la question qui fut celle du diable amoureux de Cazotte, dont Lacan nous dit que, posée par l'autre, elle mène principalement sur la voie de son propre désir. Que veux-tu? À note 31, J. Lacan, subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien, écrit Paris Le Seuil, 1966, page 814. Index des adaptations.
éléments de comparaison des différents films, éléments narratifs. C'est vraiment très intéressant à consulter, les différents tableaux. Donc, je saute ce qui. C'est juste des annotations, hauteur, endroit, année et la page. Alors, ça, je saute ça. Là. Vous allez avoir le lien de toute façon dans la description de la vidéo. Je ne lirai pas les tableaux, vous irez les voir.